Est-ce que nous avons image ou bien vidéo comment que bandits vivent ensemble crasés sous commissariat Matissan? Moi, c'est un copain de Noël, pas vrai? N'est-ce qu'il est aussi à l'aise? N'est-ce qu'il est aussi guettant pour que y aura les martiaux, y aura les picoyaux, y aura les. Je ne sais pas si vous jusqu'à ce que vous crasez commissariat sous commissariat Matissan. Moi, je pense que c'était une blague, c'était un rêve que le dit. Mais son en réalité, son vérité que lui. Ma petite tête, moi, des yeux et n'importe moun, kap kadem, kap tadem la, dame yo dim, nan commentaire que vous allez faire là. Selon yo même, qui ça qui de tête bandit armé yo? Qui ça selon nous même, qui de tête vivent ensemble? Est-ce que ce bata kon système y a fait? Ou dis moi est-ce que on bat contre Macroné? J'ai dit là qui ça gagne en tête yo? Et qui est-ce qui est monsieur Sayo? Bien que me connais, yo qui de moun dans secteur privé derrière yo. Yo qui de moun dans classe politique derrière yo. Yo qui de moun dans société civile derrière yo. Et yo qui de moun dans différents secteurs qui derrière yo. Mais monsieur Baba nous menti. Et nous commençons à arriver trop loin. Et moi, bon, c'est que la décision que nous prenons pour que nous marchions à craser le commissariat, nous comprenons que c'est dit, nous l'avons dit, que nous sommes de zone pour que la police pas existe dans la zone ça, et pour nous continuer à faire ça que nous-mêmes, nous commençons à faire sur les Haïtiens. Même qu'a dit c'est bien côté mal calculé. Parce que je dis là, bagaille l'antigen, qui est difficile. Vas-y, comment est-ce que mon frère? Blaise, peut-être que nous continuons à faire résistance, qu'on est, et mauvaise nouvelle, et on est dans le pays, ça, lui permettre qu'on est ou pas qu'à bien, ou pas qu'à en forme. Parce que l'on regarde ça qui a passé dans le pays, en Blaise, peut-être que lui pratiquement bas à réfléchir. L'on attendait, ensemble, monde qui dit que c'est autorité dans le pays, lui pratiquement permettre qu'on réfléchir. Pour demander pour génération qui vient après, malheureusement, génération pas nous, nous posons pas quelques questions. Jusqu'à présent, nous pas jamais qu'à une réponse. Et bien, génération qui vient après nous, on prend une réponse, par une question qui a posé pire. Et réponse à loin, loin, loin pour rejoindre. Parce que, ensemble, monde qui a privé dans tête l'État, c'est des mafias, c'est des volets, c'est des criminels, c'est des assassins qui marient saucissio avec bandits. Qui rend que bandit gagne tout pouvoir dans le pays. Ben, si personne, malgré gagne quelques membres dans le conseil présidentiel là, qui va gagner une grosse assurance et faire connaître que force ça pas venir attaquer, ça pas empêcher yo mande déchaîner, dans craser un pile bâtiment public qui sous juridiction yo depuis plusieurs années. C'est comme ça. La nuit mardi qui était 21 mai 2024 là, gang Matissan démoli sous commissariat Matissan dans l'idée pour ne pas quitter force multinationale à jeune espace pour être capable de tabler basse. Ça que nous devons connaître et nous devons rappeler au tout. 1er juin 2024, Cap Vini là, l'a fait 3 ans depuis gang chasser la police dans sous commissariat Sila Ablaise Peterson. C'est toujours France LB qui est directeur général police nationale d'Haïti qui n'a pas décidé de faire. Policier a mouru, civil a mouru, commissariat a pas abandonné, commissariat a crasé, France LB toujours gardé même position. Selon un responsable américain, il y a un état pour acheter matériel, tant que machine, blindé, hélicoptère, qui bien équipé pour évacuation médicale, capable de faire repousser déploiement, mission multinationale, Kenya, malgré nous connaît, ensemble, officiers. Qui t'a doué, sorti Kenya pour venir dans le pays, hein, depuis avant 18 mai, il était déjà à Renyo aux États-Unis d'Amérique. Et c'est même autorité américaine ça yo, qui t'a confirmé, t'a gagné une cinquantaine officiers ou bien chefs mission pays Kenya qui déjà dans le pays d'Haïti. Requis les forçants, permettre que les bandits se sentent tout puissants, ils fait ça, ils veulent, à katouiller, kidnapper, même lancer offensif en plus. Contre des bâtiments publics en dedans pays en Blaise Peterson. Après, on a posé cette question. Les autorités
que dans le conseil présidentiel parlé dans France 24, lui avoué force multinationale là pas gagné dans objectif yo pour venir attaquer bandi. C'est si bandi attaque yo, bandi yo a bay, y a bay bandi yo réponse. Le ça le veut dire Albès. Et tout de suite après, yon média américain, pas qu'on est diversion, mais c'est lui-même qui tout annoncé qu'on recule devenu mission dans le pays. Le veut dire ça le veut dire. Je dis, hein, bandi yo besoin des autorités à caractère, à dimension, là on parle plus, respecter ça, on dit, qui pour marcher à rencontrer bandi yo dans la base. Toutefois, qu'il nous était. Si bandi yo qui te kap marcher sur nous, blesse personne, dégâts qui a fait yo, y a illimité, n'a perdu tout ça qui n'a gagné de valeur dans le pays, c'est vété d'apprêté, n'a pas de haïtien, licencié disparaître à tout peuple. Et c'est ça. Adonis, you can get c'est plein ça. Amazing, delicious pizza. Le conseil présidentiel n'a pas appliqué là. C'est ça fait que, ouais, y a une dimension laxiste. Je veux dire, qui est le plus gros problème qui est dans le pays qui est insécurité? Monsieur Damios, c'est une question assainissement qui intéresse. Parce que assainissement, gain ou taille là-dedans. Gain volant l'argent là-dedans. Mais pas ici, on a besoin de prendre responsabilité. Toutefois, si vous voulez sauver la République, les personnes, parce que la gala est extrêmement difficile pour les gens qui vivent dans le pays. Il y a divers secteurs qui ont l'obéi pété dans le temps. Dominique Sétélo a déclaré que son Gary Conny, qui se jouait l'ONU, pas de premier ministre dans le pays. Goumé commence à éclater dans le temps. Pendant, messieurs, dames, dans le conseil présidentiel, la blesse personne, toujours trouvé dans les possibilités pour désigner qui est Kavin premier ministre. Puis choisi dans 200 à Oussa, 200 volants, 200 mouns sans projet, qui vient là ou qui entend yo. Parce que, yo tellement fait concession entre yo, 200 mouns pour un seul poste. Comme si vous voulez dire mouns sa yo, yo pratique un bon bagage, vous voulez voter pour la République tout bon vrai. Qui est la pied? Qui est la pied? Mais, grand pile moun qui garde l'Ikman de l'île, comme yon figi, yon neg, l'el palé, li palé avec ferme assurance, bandi yo pe, bandi yo tremble, l'Ikman de l'île palé, si l'ta arrivé dans tête CSPN, dans blesse personne, pour appeler moun yon fait quoi que monsieur ka fait qui choye. Li rete avec l'Ikman de l'île, et moun, organisation qui choisit l'Ikman de l'île yo, pour yon faire valoir des choix que yon fait. Tenez, yon seri de nek qui passe qui sans bilan dans l'administration publique là déjà. Qui pas va pièce résultat dans l'administration publique là. Yo vinn là, yo vinn régénérer tête yo. Pour vinn construire santé économique yo, pour vinn préparer élection. Yo dis nous besoin yon patriote qui pour aller en primatia. Parce que nous perdit la présidence déjà. Mais primati, faut qu'on gagne yon haïtien authentique qui a réfléchir de l'autre haïtien qui pour permettre que insécurité que nous là pour ne pas plonger là dedans encore. Parce que tout problème côté des pays avec la blessure personne, c'est insécurité a qui plonger là-dedans. Et suite, cette insécurité a venu grâce avec corruption, assassin criminel qui passait dans le pouvoir et qui toujours a goumé pour continuer à avoir pouvoir de l'invitation. Bon, l'éclair de Sibenès, c'est que je dis, hein, vous sentez que les gens de l'autorité capable, bon, moi, les autorités, j'aime toujours dire, mais les gens de soi-disant de monde qui t'a déjà placé dans la chaîne commande et gouverne le pays, hein. Les que moun sa yo pale, yo renforce action bandi yo. Et on vit dit à tout que, moun sa yo, yo prouve que comme si yo nan connivence, yo nan concordat avec bandi armé yo. Mbago, que problème non? Que ne ki gen sa yo gen de choix. Soit que yo depose ou di mwen yo repose. Et dans la ligne pour aller là, il y a pris une ligne pour reposer. Hein. Parce que, craser le commissariat, bouler le commissariat, ce n'est pas action reposée, et pas action déposée, n'est-ce pas là. Et pas action déposée, ça, n'est-ce pas fait. D'ailleurs, il clairement dit que, il paraît, il prêt pour mission. Et il est content parce que, il a tué trois policiers, qu'on a pris tout et soldats étrangers. Il a tué trois haïtiens. Il a pris tout et blanc, qu'on a. Exactement. Les gens même fait musique, ils disent, il y a pas tant de missions. Elle dit, les gens qui étaient connectés, comme si cause de peur la caillou, le fait qu'ils ont tant de missions après le vinyle. Là, même je vous dis, que les gens presque montrent que, ils n'ont pas peur policiers, ils n'ont pas peur soldats FADH, ils
Ça me dit à lui peut-être dur, mais c'est une vérité. C'est une vérité que lui. Imaginons que depuis plus que un mois, que l'an mois sans jour annonce que la crasse est prison quand vous avez cas élevé. Comprenez bien ça me dit, hein? Et si pas de connivence, concordance, citoyenneté, entre deux, les Kenyans et la chaîne commande la police, hein? Deux, les autorités, soit des autorités dans le pays, en plus depuis plus que un mois, un chef gang campé sous qui l'a crasé prison, pas de côté pour les guetter là, il crasé le et pas de quelle disposition qui prend pour courir derrière ça. Eh bien, nous pas nous camper avec Boulfi qui nous, n'a pas parlé d'autorité, n'a pas parlé de chef Kenyé. Non, sérieux. En sérieux. Français, mais pas, regardez, la recevoir blindé. La recevoir blindé sans hôtelier. Et même 16, comment? CP ça, sans que vous ayez, pendant que Edgar le fils a dit que, pas que tu as été trop perdu, et c'est même moment que, dans la même journée, oui, pendant toute cette après-midi, dans la soirée 18 mai, oui, équipe et l'amour sans jour crasé, commissariat quoi des bouquets, a crasé prison civile quoi des bouquets. Et puis sans que tu aies été là, il y a Vinzo que, oh, et si, il y a vinn tout ça et je sais pas les pour nous parler nous parlons comme si c'est là ou équipe dans l'autre sang qui me crasse payant a demandé amnistie pour bandi a demandé amnistie pour bandi je dis pas ça nous fait comprendre je dis pas ça que nous voulons faire comprendre là moi même ah oui donc je dis hein les que moi garder moun sa yo. Moi dis nous l'aide en pile. Et là que me tendez Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas, dans le conseil présidentiel, qui tourne Jaco qui a payé des palais dans toute la presse, en Haïti quoi à l'étranger, et qui a dit qui bonne parole par contre côté joigne. À moins que tu as en mission, mais on est qui c'est autorité. Bon, c'est même dans prise de parole ou même à travers des interviews, bon, c'est que des bagailles avant de mesurer. À moins que soit dit ou qu'on soit dit très bien et ou qu'on pour qui soit-il. Amis internautes, moi yo, me rappelle que entendez interview ça que Leslie Voltaire réalisé avec journaliste 24 ça. C'est vrai en français. Mais moi, Desi Venesse a fait un pile effort pour que nous mettions accent sur ensemble de points qui sont très importants que Leslie Voltaire lui-même lui dit dans l'interview. Nous pas retirer, nous pas mettre dans l'interview. Mais nous avons fait analyse, compréhension pas nous de ce que Leslie Voltaire dit. Parce que, et pas nous, tout capteur de Cap Gadem là, cap comprendre des gros français que Leslie Voltaire dit. Vous comprenez? Même parce que, moi, avec des Venesse, n'a fait effort pour que, si minimum compréhension que nous avons, pour que nous aidions à comprendre question insécurité, question assainissement, question politique, c'est ça parmi de grands axes, grands points dans l'interview que le Steve Voltaire avec les médias. France 24, ou quoi qu'il n'y a plus que 89 pays à travers le monde, a dit interview ça a passé. Je dis à moi que, faut que nous ensemble regarder, faut que nous ensemble analyser que je dis que Haïti, est-ce que nous continuons à prendre une équipe sans avoir? Est-ce que nous continuons à prendre une équipe qui je dis là, qui vient à refaire santé économique? Est-ce que nous continuons à prendre une équipe et conze, ou équipe traite? C'est des questions que nous avons posées, amis internautes. Nous prétendons Leslie Voltaire, à travers l'interview, je me dis que moi avec Desi Venesse, nous allons analyser, nous allons regarder et nous allons questionner par rapport à la situation ça, interview ça que Leslie Voltaire bail avec France 24, la zone internaute. En nous tendant et nous avons fait entrer sur la donne en termes d'analyse, parce que M. Clément dit que mission 1, pas venir avec Bandi, mais c'est si Bandi attaque yo.
y a venu goumer, y a répondre bandi. C'est la police qui prend le goumer bandi yo, et c'est la police monsieur a venu là pour capable entraîner la police là. Mais m'a dit pour qui ça tout bagaille ça et si que nous t'es capable permettre que nous par la police moyen gens que en pile organisation de ça par la police moyen par la mer moyen et pour qui capable des résultats parce que nous dit que la police est capable des résultats pour ça nous obligé pour débloquer nous sommes l'agent alors que nous donne bien et papa le gouvernement pays Kenya nous dans yo dit que Kenya pas venir à Bougamé si pour l'argent qui a payé on yo pour faire développement la caillou dans pays yo mais nous devons permettre que l'argent ça vienne entrer en Haïti mais aider la police là augmenter ti quatre et nèg yo augmenter un petit bagage pour yo permettre que on traîne l'équipe plus ou moins ça veut dire ça police t'a travail en plus et conformité et t'a un esprit posé pour t'être capable de travailler au lieu que c'est comme ça que nous pour permettre que officiers yo soldats étrangers ça yo pour toucher plus d'argent passé yo alors que yo même il a touché 25 000 goud il a touché 30 000 goud hein qui différence qui gagne et qui fiscation pour dégager entre mission ça policiers nous yo et soldats nous yo en dedans les Voltaire ça m'était notre moyo en dedans les Voltaire et moi c'est vraiment intéressant pour ça m'était notre moyo parce que là il est vraiment important pour que nous garder ça qui est comme réalité. Parce que ça, il est vraiment important pour nous garder et pour nous entendre l'Esti Voltaire qui lui-même décide la façon parle pour que c'est comme ça pour des réponses en aller désir. Aïe, 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 monsieur, là, monsieur, dame, monsieur, dame, monsieur, dame, en avance désir. Bon, moi, ce qui est important, tant que je dis, pour mon oreille, prenez un petit temps. Pourtant, Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas, conseiller présidentiel et dans le conseil présidentiel de transition. Et on est qui bien formé, pour certains. Mais moi-même, si je pose peut-être une question sur formation, ensemble de monsieur, dame, ça a gagné. Est-ce que vous faites preuve des formations que vous gagnez? Parce que pour former, c'est à travers l'action que vous posez dans la communauté, mais ça, monde a privé comprendre tout bon vrai. Que vous formez parce que vous mettez formation à la disponibilité des autres. Si vous avez essayé de regarder, arrivé M. Damsayo, dans notre pays, il n'a pas inspiré espoir et confiance pour le changement de la République. Bagala paraît extrêmement triste, inquiétant en pile, et au pas, ouais, on levier que M. Damsayo, à travers le conseil présidentiel, il a essayé d'autres moyens qui permettent que Bagala aille plus rapide, qui cabrène que Mounio Gali en souffre. Avec présence conseil présidentiel là, beaucoup plus dégâts privés faits en d'un pays là que pas ta même imaginer que soit Ariel Henry. C'est sous conseil présidentiel là ensemble commissariat ça au crasé. Exact. C'est sous conseil présidentiel là, c'est notre démarche pour conseil présidentiel là. Presque 18 policiers mourus pour année 2024 là. Ariel avec conseil là. On a des matchs pour venir avec conseil. Elle a des matchs pour venir avec conseil. Tout est reposé sur. Ariel avec eux-mêmes. Yeah, exactement. Oui. Mais attendez, conseil lancé Ariel. Conseil lancé Ariel. Parce que lui vient des démarches Ariel Henry. Exactement. Ariel Henry présent en dedans conseil. C'est la cause. C'est la cause d'une grosse bataille en dedans conseil là pour choisir premier ministre. Parce que Michel Joseph Martelly, déjà, n'en parlait déjà. Pas bien secrétaire général, parlait national là. Pas bien c'est PHTK qui contrôle secrétariat parlait national. Et il y a goumé, je dis, pour y'a prendre primature. Il y a fait gros pression. Parce que y'a connu, si y'a prendre primature, y'a pu permettre au moins que projet d'amnistie, que autant de qui a parlé à la fin, mais pas enlevé sans fait. Mais pourtant, le Michel Joseph Martelly a goumé pour question amnistie. Et c'est pendant que le monde, ça y'a été à la critique. Le Guy Philippe te parlé de enchaînement, de justice qui pourra gagner amnistie la donne à la commission vérité. Son paquet hypocrite. Même M. Dame qui est dans le conseil présidentiel là. Il y a des gens qui ont tiré à boule sur Guy Philippe. Le cas de Maurice Jean-Charles qui fait partie du conseil aujourd'hui. Mais, next à aujourd'hui, il y a parlé d'amnistie sur l'autre forme. Maurice Jean-Charles parle, docteur Louis Gérald Gilles parle. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a besoin de pardon. Nous avons besoin de pardon qui permettent au moins qu'il cherche pour contrôler la situation. Mais il n'y a pas qu'à faire comme ça. Il n'y a pas qu'à aller au bon matin pour ces autorités ou non. Qu'à faire pèlerinage. Qu'à faire pèlerinage pour mettre les bandits en confiance. Ou pas attendre à mettre bandits en confiance, bandits à venir plus violent, il a fait beaucoup plus de dégâts dans le pays. Hein? Et ça dit avec M. Damsayo comme autorité. Est-ce que vous sentiez confortable? Job que elle prend dans l'Occident, il y a le prend dans mes départements d'État, Maison Blanche, avec
communauté et d'outre-mer, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes dirigé pour Haïti? En plus, haïtien, a souffert là, a mouru avec maladie, pas qu'à déplacer quitter pays. Il a montré au plus gros intérêt qui gagne. C'est ouvrir l'aéroport international tout seul ouverture, parce que compagnie aérienne a plein, parce qu'il a fait des gros déficits là. Là, son vache à l'équel, il faut que l'argent rentre. Gouvernement, il y a espoir pour faire quoi? Dans l'avion qui a atterri, dans l'avion qui a volé. Sans yon pas mettre accent sur moun yon kap sorti aux États-Unis, kap rentre en Haïti. Yap descend nan l'aéroport là, qui kote yap passe pour yon la kayo? Si yap quitte la Tibonite, yap quitte Grand Nord, pour yon rentre Port-au-Prince, pour yon voyager, qui kote yap passe? Poste de péage toujours là. Bandi yon krasse, amasse les personnes. Le difficile en pile. C'est pas avec Pelle Scavatrice, même genre, et 400 Marozo, l'homme sans jour krasse, prison civile, quoi de bouquet, non? Ça n'a pas de Matisse, c'est avec Massou, n'a pas de Krasel. Tandis n'a pas tout le temps, oui, yon confortable, oui. Comme si pour on est avec France LB, li la toujours, monsieur dame qui le conseil présidentiel, yon senti yon confortable avec France LB, yon chita, manger avec, dialogue avec tout le jour. Ça pas dit rien. Ça pas dit rien, comme on est qui se chef et directeur général de la police, Blaise Citesson. Yap Gadel, c'est comme son phénomène. Espérez que le si Voltaire est libre, pour permettre que moun yon tende, pour nous regarder avec Blaise Citesson. On a regardé avec Leslie Voltaire. 25 avril, il doit désigner un nouveau gouvernement et surtout organiser de nouvelles élections au plus tard le 7 février 2026. Étant donné la situation humanitaire, la situation sécuritaire en Haïti, est-ce que c'est réaliste? Je pense que c'est réaliste parce que les circonstances nous permettent de penser, d'être optimiste. D'abord, ça fait 3 ans qu'on se met ensemble pour avoir un pouvoir exécutif bicéphale avec une présidence et un premier ministre. C'est arrivé. On a pu se mettre ensemble pour former un conseil présidentiel de 9 membres. C'est arrivé. On a élu un coordonnateur. On a fait un vote sur une majorité qualifiée de 5 sur 7, c'est arrivé. On a une présidence en rotation de 4 candidats qui s'étaient présentés et on aura 5 mois chacun à coordonner le conseil présidentiel. Voilà, monsieur, c'est-il à l'aise pour la vue que depuis 3 ans, on tape gourmet pour une présidence bicéphale et exécutif bicéphale avec un premier ministre et pour une présidence. Ça bien, oui? Un président. Parce que, même nous comprenons bien, parce que parlant de présidence, ça veut dire que c'est un monde. On parle de présidence, on parle de l'institution, ça veut dire que la présidence capable de présider mon agent Jean-Claude Offel là. Et ils ont pendant 3 ans, ils tapent gourmet pour ça. Mais pendant 3 ans, ils tapent gourmet pour ça. Regardez que là, jusqu'à présent, que y a des décisions qui prennent là, ils ont violé l'accord été signé entre eux. Ils ont dit que l'accord été signé, c'est une majorité 4 sur 5 et sur 7. Ils ont fait affaire pour aller voler 5 sur 7. Et garder un ensemble de tractations qu'ils ont faites pour arriver et mettre comme ministre, mais choix comme ministre. Et garder pile par l'empile qui était fait par rapport avec question. Comme si, même ça, monsieur Dieu, tu as beaucoup m'imputé pendant 3 ans. Et je dis à même dans la réalité, où est-ce qu'il a battu, tu as menti? Il a battu, tu as menti? Je perdu avec ça, c'est votre abdi à des Ivenes. Donc, attendez, l'incohérence totale, c'est ça qui dirige le conseil présidentiel. Sur quel que soit ça, où il dit, sur quel que soit ça, où il s'est moyen, ou après, c'est l'incohérence et l'irrespect de même ça, yon prodigué, même ça qui yon écrit. Qui pral gagne des conséquences graves sur la vie nationale. Gabi le monde qui te prédit ça, Blaise Citesson, qui te voit que le conseil présidentiel avec 9 membres ça, c'est pral yon catastrophe, en plus, c'est pral yon crise, en plus, mettez sous crise qu'il y a là. Et de fait, yon montré les pires, yon montré que c'est réalité. Parce que ce conseil présidentiel qui plus souhait et a créé opportunité pour permettre que militants qui ont gagné dans la rue, qui sont dans diverses organisations et partis politiques, joignent un emploi, ou bien créer moyens pour faire comme gérer propre vie par eux. Et vu loin, nous avons dit son conseil présidentiel qui, sans se joindre
carte blanche, qui pas une personne, pas une opposition vraiment. C'est, si tu as une opposition, tu as dû commencer à faire sentir. Sous ensemble de décisions, sous décaissement, que monsieur dame qui est dans le conseil présidentiel a déjà fait. 27 machines achetées. Pas de monde connaît qui côté l'argent sorti, combien l'argent que 27 machines ça a coûté. Pour qui ça? 27 machines qui t'a acheté. Est-ce que le gouvernement t'a déjà pas de gain machine côté machine neuf qu'on voit qui est dans Ariel Henry? Est-ce que c'est même machine ça, yo fait l'État réacheter encore? Que moi-même ou même nous pas le payer? Pas de trop question qui pose sur ça. Parce que monsieur Jean Boulevard pour y aller. Pas de question qui pose sur 90 millions de gouttes que vous faites se débloquer là dans le drapeau. Qui ça vous fait avec? Qui côté fait drapeau à te fêter pour 90 millions de gouttes dans le dépensé? Mais qu'on y a sous route pour 1 milliard de gouttes à débloquer dans la question assainissement. À qui est-ce que vous allez dépenser l'argent ça? Est-ce que c'est avec même agent exécutif intérimaire qui t'a baillé gang yo tété? Est-ce que c'est pas on l'argent qui va le débloquer pour y aller payer Bandio Lelix en plus? Mettez sous ça que on fait. Parce que qui est-ce qui prend le cap de travail dans ghetto là? Sous dit on va faire assainissement dans Matissan. Ou pour faire assainissement dans Kwade Bouquet. Ou pour faire assainissement dans Gravine. Ou pour faire assainissement dans Cité Soleil. Ou pour aller dans Village de Dieu. Ou pour faire assainissement dans Savien. Dans la Croix-Pérouse. Qui est-ce? Bon, moun yon pa ka fréquenter espace sa yo. Yon pa ka traverser route yo. C'est bali à bas ou c'est kidnappé à kidnappé ou à parler de assainissement. Son équipe mafia, qui a pensé peut-être tout simplement, par des pièces en rien des pays que M. Dam sa yo a pensé. Pi bonnet, c'est grand matin. Faut que le peuple prenne responsabilité de la situation. On continue. Quittez mon yotande, Leslie Voltaire, parce que c'est pendant qu'il a parlé ou a découvert dans quel niveau que vous mettez dame, yon coquin en d'un pays. À coordonner le conseil présidentiel, étant donné que le conseil présidentiel est celui qui a le pouvoir, mais le président du conseil est un coordonnateur et a des fonctions de représentation. Donc vous estimez que des élections pourront se tenir d'ici février 2026? Vraiment? Avant ça, je pense que cette année, on va se pencher sur la question sécuritaire et sur la question humanitaire. On va aussi faire une grande conférence nationale, non seulement au niveau métropolitain de Port-au-Prince, mais aussi dans les autres départements et aussi dans la diaspora haïtienne qui se trouve au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. On va avoir une vision sur les 25 ans d'ici 2050. Que veut la nation haïtienne? Que veut-on venir de devenir comme pays? Et ça rappelle un peu, oui, Laurent Gagotte et Haïti Open for the Business d'ici 2030. Mm-hmm. On va avoir aussi une réforme de la Constitution. Il y a beaucoup de travaux qui sont déjà faits sur ça pour que la Constitution soit simplifiée. On va avoir aussi la création d'un conseil électoral qui va faire l'inventaire de ce qui existe et surtout un audit de la carte d'Hermalog, qui est la carte d'identité électorale à laquelle on se sert. Il y a déjà 6 millions d'inscrits. À partir de janvier 2025, on commencera avec toutes les opérations électorales. Ça va durer 9 mois. En décembre, on aura l'élection et en janvier, on aura un nouveau gouvernement, une nouvelle classe dirigeante. Alors ça, évidemment, ça c'est la théorie. La pratique, évidemment, ça dépend, vous l'avez évoqué, de la situation sécuritaire. Les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, contrôlent d'après la plupart des gens 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti? Bon, de toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc, il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de purage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc, eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à
à se déployer dès la semaine prochaine. Il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies, pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kényan. De combien d'hommes parle-t-on ? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti ? On parle d'ici le 5 mois. Une force de 2500 personnes. De 2500 spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celle que les Haïtiens subissent tous les jours? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens qui vont se battre. Donc, eux ne vont pas se battre? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. Mais justement... C'est là, Bagala, dire. À moins qu'on les attaque. Ça veut dire que, mission proposée... Il va aller dans une période de 5 mois, comme si premier bah, qu'on est premier trouver qu'est-ce qu'a venir cap 2500 et yo pral venir là pour capable participer dans formation entraînement policier yo monsieur Lameyo, mais yo pas là pour affronter les gangs, mais c'est si et seulement si m'a dit attaquer yo. Là mon petit j'ai vraiment pas comprendre, sinon yo te mec quitter et comment monsieur Serra Lacayo, parce que s'il a venir faire tourisme ici. Comme au premier temps, j'ai été dit, bon, ok, il y a vint de libérer grand axe routier nous yo, il y a vint de libérer et il y a vint de contrôler les bâtiments nous yo, et c'est par là ce que nous avons apprendre que j'ai dit, ok, il y a pas participer avec la police à démanteler les gangs yo. Est-ce que c'est pour eux, mais ça que t'es dit, là, t'es dit que c'est grand axe routier à vint de libérer et c'est bâtiments publics qui a vint de surveiller. Est-ce que c'est ça que je veux aimer comme mission? Mais ma petite tête, moi, encore, si c'est la police là, d'ailleurs, d'accord, oui, que c'est la police là, avec la première ligne opération, dans cette opération, parce que quelque part, c'est eux qui connaissent la réalité haïtienne là, et eux qui connaissent l'espace, et eux qui connaissent le territoire très bien. Parce que les que étrangers, ça va, si c'est eux-mêmes qui sont dans cette opération, ils n'ont d'accord que qu'il y a des problèmes, parce que, premièrement, ils ne connaissent pas la réalité haïtienne là, ils ne connaissent pas comme si ça n'est les ghettos, ils ne connaissent pas vivre ensemble, ils ne connaissent pas besoin de connaître si avant que c'est tout le monde qui est dévangé, ils ont tous ces bandits. Là, on peut comprendre que si c'est policiers nous yo qui eux même qui dans tête opération yo, mais il doit accompagner de soldats ça yo. Il doit accompagner des soldats ça yo en couverture. En couverture parce que il est clair que pendant la police va faire pénétration, mais nèg yo pral et papier pral sorti. Mais yo connaît les sorti quoi qu'on fou mi fou, mais yo connaît go réponse capitaine yo. Et m'a parlé avec une autorité. Il dit moi ça Blaise, est-ce qu'on connaît sécurité capable résoudre? Parce que nèg yo pa me dou bien. Depuis yo attaquer nèg yo nan fief yo. Pas quitter sorti de yo. Pas gagne le choix non. C'est entrer à attaquer nan fief yo, pas gagne le choix. Mais le fait que nèg a kagete pour sorti pour replier ça la faire et en plus tout, nèg a connaît li gon se sénateur, gon se député, li gon se ministre, li gon se président, li gon moun ki nan classe politique là, li gon moun ki nan gouvernement, ki pral rele, ki pral mande, ki pral laisse ça, les gars, ça fait une force. Et c'est ça, comme il y a une plus grosse bataille, parce que je dis, hein, que bataille contre l'insécurité, j'aime de Jodil, lycée bataille contre tout un système, lycée bataille contre un réseau, et pour permettre que nous aboutissions avec ça, nous besoin, qui c'est sécurité en la pièce de métier. On avance avec Lestie Voltaire. La police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela? Je pense que il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête.
Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, on les appelle des ripoux, et ici, chez vous. Effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40% de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60%, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants, donner accès à l'hôpital à leurs enfants, leur donner des cartes de débit ou de crédit et communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population, pour que la population puisse les accompagner. Parce que c'est la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très, très, très bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Et bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi, que faut-il faire avec les gangs? Faut-il les éradiquer, ce qui veut peut-être dire encore plus de violence, ou faut-il négocier, quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir, démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes. Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque. Il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif et sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes, comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry, qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti, de ce point de vue-là? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil. Et parce qu'on a à en faire sur 20 mois, et tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire, et donc en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire? Bon, on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Leslie Voltaire, merci beaucoup. Désir. Et question tellement guédant, mais Leslie Voltaire ici est sorti quand même. Mais bon, ça, c'est une réponse. Attendez, dernière question. Leslie, répondez un petit peu direct. Et malheureusement, c'est comme ça le répondre.
Parce que tout le monde voit que le conseil là, dès le début, il saute pour l'échouer. Blaise. Bon, comme il dit, c'est tout secteur, c'est tout peuple haïtien qui est là-dedans, et il n'y a pas qu'à échouer. Mais il y a déjà mal parti. C'est vrai échec que le conseil a fait. La division, chaque défense est interpersonnel. Accord politique qui a été gagné, qui était lié avec 3 avril 2024, là, peut-être qui c'est marche de manœuvre, ou bien pour moi qui t'as capable de permettre de respecter ensemble des dates d'échéance que qui a pas avancé sur yo. Mais nous déjà pratiquement dans 6e mois après. Et puis mais dans 6e mois. Et puis n'a yo été, il a pensé, il a oublié si c'est 24 à 18 mois que yo gagne. Élection que yo gagne pour yo faire c'est 7 février 2026. Un président a dû rentrer dans le niveau palais national. Ça veut dire processus électoral là, il a dû commencer depuis même avant 7 février 2026. Soit garder ces élections générales. C'est élections générales que vous parlez. Il y a besoin de faire élection pour Kasek, Asek, magistrat communal, sénateur, député. Et vous parlez de questions de sécurité. Vous parlez de référendum. Sécurité a pour continuer son gros morceau. Et nous, la quantité de la lito KPC dont on fait. Malheureusement, c'est une étape qui est extrêmement importante. Non, mais dans l'interview, ou après que Leslie Voltaire lui montre question assainissement ou kirage, nettoyer canal, et ça, c'est des bagages importants que APC doit faire. Mais ça pas plus important que question insécurité. Nous garantissons la situation. Mais pas qu'une sécurité avant pour faire assainissement, au fait, Bode. Ouais, 1 milliard. Aller à désir. Comment on va faire assainissement la zone pour aller au Gan? Pendant que Bandi a vidé Balamba. Et comment on va faire assainissement là pour aller au Gan? Comment on va faire assainissement là zone quoi des bouquets zone bas qu'on est douya pendant qu'il va dire vider bal? Il faut qu'il y ait sécurité d'abord et après ça vous négo entamer bagarre assainissement yo. Bon, dans l'interview à Wallace Voltaire, il montre que il prend la saison cyclonique et si assainissement pas fait, il prend provoquer ça qui vient pour avec inondation. Mais si y a normalement je dis mener des opérations, non faut et gang yo. Yo ba gang yo limite yo. M garanti yo. Ouais, Emilia sa qui a parlé a. Yo pa même dépenser c'est à travers combit capital la nettoyer. Exact. C'est moun yo kap débarquer dans zone pour venir nettoyer sans pas même dépenser comme là. Exact. Normalement, m quoi l'argent ça monsieur déjà Antonio qui gens qu'il pral libéral reparti. Libéral reparti avec des groupes des militants qui ont gagné, yo doit récompenser yo qui était dans quatre batailles. Tant que j'aime te dire gen chef de gang yo qui déjà a planifié qui j'ai au prendre un contrat par yo. En plus fois c'est comme ça gouvernement souvent fait les besoin voyer cop bay bandi dans ghetto yo. Ariel Henry te gen 3 millions qui était entendu que était gagoté 3 milliards de goud. 3 milliards pardon 3 milliards de goud. La question bagarre apaisement social. Apaisement social. Pour jusqu'à présent pas une réduction de code. Donc, on est bien content et confrère journaliste lui pose question. Est-ce que pas gain poursuite pour Ariel Henry dans l'ensemble des gargotes qui fait pendant la gestion pays. Et il a mentionné que la communauté internationale a tapé sur elle. Ensemble des dérives, ça la France, États-Unis, Canada. Est-ce que, très bien. Est-ce que il a pas lié dans la gargote qui a fait là? Moi-même, je vraiment douté parce que c'est même Mounsayo qui derrière le conseil présidentiel là. Ça veut dire qu'il a consolidé le pouvoir Ariel Henry, il a fait casser, fait couvrir ça. Moi-même, pas vraiment douté malgré. Leslie Voltaire virer le tunnel répondre pour montrer que Ariel Henry doit rendre compte. Bon, c'est pour l'opinion. Son réponse qu'elle bat pour l'opinion. Parce que c'est même Mounio. C'est même Mounio qui l'a. Ariel, il a changé jouet. Il a changé jouet. Machine n'a pas changé l'huile. Il a changé l'huile dans la machine. Mais c'est même moteur. C'est même carrossier. C'est même cabine. C'est même machine. C'est même équipe là. Équipe là, c'est jouet qui sortit là-dedans tout simplement. Mais c'est même équipe là sous terre, la situation. Et deuxième, je regarde avec Andy, il est mon personnage. Je viens avec Dinao Frisnel, qui lui-même, c'est Andy, papa au niveau national. Non? Monsieur qui parlait, puisqu'il va oublier, révèle là, il va pas lui-même. Il va pas dans la question bah, qui est pour avec question et conseil ça. Et lui-même, c'est dans la révolution. Et encore, il y a encore sensibilisé, il y a encore mobilisé, il y a encore motivé, ça ne va pas brûler. Et, population haïtienne, non,
dans la question de Desi Venès, nous essayons de regarder comment nous sommes capables exactement en soi, permettre nous entendre Dina Wolf-Wesnel, qui c'est porte-parole Rivière Nationale, qui a parlé en détail sur ça. Rivière Nationale pour la souveraineté d'Haïti, sommes réunis ici pour dire au peuple haïtien qu'au stade où nous sommes, son destin est entre ses mains. Et nous promettons de l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti constate que tant le serpent à sept têtes et deux cornes que la communauté internationale à travers CARICOM se sont unis pour mépriser les convictions du peuple haïtien qui lutte pour reprendre ses droits souverains. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est surpris de voir comment le Kenya, un pays du continent africain, par le biais de ses dirigeants, a décidé de s'engager dans le jeu des Occidentaux pour venir légitimer l'occupation ici, continuant à piétiner notre souveraineté tout en défendant leurs propres intérêts. Peuple haïtien, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti vous dit de rester fort, motivé et toujours confiant dans la bataille pour la souveraineté. Un jour viendra pour nous, nous aurons l'occasion d'ouvrir une autre page de notre histoire. Aujourd'hui, le monde constate que les forces obscures et les grandes puissances impérialistes, complices du régime en place depuis longtemps, luttent pour ridiculiser l'idéal des Saliniens. Nous guident vers un carrefour où une force étrangère représente la seule solution pour nous, tandis que les douleurs des forces passées restent toujours dans nos mémoires. En ce sens, nos ancêtres se sont combattus dans un seul objectif pour que nous puissions être libres et envoyer un signal de liberté partout dans le monde jusqu'à ce qu'elle devienne un virus pour tous les peuples que les puissances coloniales opprimaient. Nous disons à tout le peuple haïtien que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée et c'est tout bon l'heure arrivée pour qu'Haïti retrouve sa souveraineté. Haïti doit montrer que l'Isse grand monde et faire respecter nos droits comme peuple souverain. Nous demandons à tous les fils et filles d'Haïti dispersés aux quatre coins de la terre que nos ancêtres nous ont fièrement légués ne sont pas la solution pour le peuple haïtien. Restons mobilisés pour trouver des alternatives qui nous permettront de retourner à nos racines et d'établir un État fort avec des Haïtiens conscients pour les Haïtiens. Ainsi, tous les enfants d'Haïti pourront être fiers d'être Haïtiens. Nous rappelons pour CARICOM et toutes les autres instances internationales que les annales de l'histoire, rien ne s'efface et que chaque action est gravée. Bah, oublier côté Max Songer. Toutes les actions malveillantes commises par la domination des forces étrangères dans le passé restent dans nos mémoires. La mission des Nations Unies de la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, ne sera pas épargnée dans la liste des missions qui ont contribué à fouler au pied la souveraineté et la dignité du peuple haïtien pour lesquelles le père de la nation Dessalines a combattu. C'est pourquoi nous, au niveau du Réveil national, à partir de nos journées de réflexion, nous tirons en conclusion de mettre sur pied une école baptisée École de la pensée ancestrale. Et là, nous allons construire l'être haïtien afin qu'ensemble, nous continuions à mener la bataille pour faire respecter nos droits et faire comprendre au monde entier que le pays n'est pas une savane. Vive la révolution, vive la souveraineté du pays, vive le peuple haïtien. Merci beaucoup. Ok, c'est Dina Wop, lycée porte-parole révélant. Monsieur a toujours été motivé, mobilisé dans la question révolution qui a parlé à des événements. Bâton de désir. Très bien. Blaise, donc, on pensait que Fresnel. Dinarov les correct, les besoins ont l'école des pensées, les besoins ont l'école qui permettent à créer et controverser les idées.
qui capable de construire base révolution. Mais je concept là t'es venu sur le terrain, Ben Peterson, l'intention c'est ton bagage rapide qu'elle tapie. Songez bataille contre un système, c'est tout un combat. C'est un long combat. Surtout les messieurs d'Amio presque gain plus passé une trentaine d'années, yo en creux, yo perdu, yo fin acheter terrain, yo fin connaît les matchs de manœuvre, rentrer et sortir. Et moun ki la dans yo puissant pile, yo gen en pile l'argent, yo gen en pile pouvoir. Mais ça a li besoin que vous rentrez dans l'université, hein. Li besoin que vous rentrez dans l'école classique, yo. Li besoin tout que vous rentrez dans structure organisationnelle, yo. Li besoin que vous rentrez dans parti politique, yo. Li besoin que vous rentrez dans l'église, hein. Pour al montrer moun yo, pas à plus vers situation que n'a vive là, pas gen pièce, peuple au monde, cap d'accord pour un groupe moun, hypothéquer la vie, yo, dans sa sa. Sur ce point. On croit que Dinarov est correct et on doit continuer avec le flambeau. On joue petit et petit, yo, après de comprendre que on est dans un combat pour un pays que un groupe monde décide de mettre main, n'engager peuple là. Il y a besoin d'exterminer peuple là, il y a besoin de faire peuple là, lever parti qui était pays à sans législation. Pour d'ailleurs, crème de crème pays à lever parti déjà. Et dans ça qu'a décrit là, c'est pral, les pures, les personnes, si pas rien qui lui fait. Rappel, sous ça, sous ensemble des dégâts, que ministre, lui fait en dedans pays, hein. Bon, il y a réel. Jusqu'à présent, on a parlé de choléra toujours. Jusqu'à présent, on a parlé de jeunes garçons qui ont dedans ghetto avec des âmes dans mes parce que, songez, point fixe ou bien espace de travail, plusieurs contingents de ministres en dedans Cité Soleil. Dans Berlin, au paquet de jeunes femmes, t'es tombé enceinte. Pour jusqu'à présent, petit sa ou et timon sa ou sa papa, en pile nan yo gen zam nan men yo la. C'est pour ça qu'en pile moun, gade yo, c'est des victimes sociales qui pral besoin de réparation. Malgré tout ça, Nations Unies, pas j'en entend, pour dire rien sur question ça. Ouais, on paye nègre, yo entend yo, comme c'est nègre ak nègre, c'est noir ak noir, yo entend avec Kenya, qui pouvin faire job sale là pour yo. Mais c'est toujours yo même. Yo déclaré c'est une mission ou bien une force non onisienne. Mais pour qui paye? Qui côté yo fait passer avant? Il a passé dans ces jours. Qui est-ce qui entend? Qui t'a essayé d'autre? Regardez résolution 2699 là. C'est Nations Unies. C'est même moun yo. Il a venu sous l'autre forme. Mission yo pas jamais fini. Yo toujours gon mission qui commence et doit continuer. Yo toujours à faire relève. Malheureusement, nous pas des autorités, nous pas des patriotes. Nous parlons des citoyens honnêtes qui vivent optimement des affaires qui pour réclamer droit peuple. Et peuple, lui-même tout, lui était là pour observer, lui mettait espoir sur deux, trois grands mondes qu'elle pensait qu'après revendiquer pour lui, malheureusement, les aller, il n'y a pas revendiqué pour peuple, c'est peut-être revendiqué pour l'explication. Des secondes, l'autre bataille toujours qu'a fait la bataille pour question et en pile lettre qui a cap jour fait le premier ministre Bayo. Bon, Blaise, bon, c'est triste, pile. N'est-ce qu'on fait promotion, même j'en ai n'est pas dans l'élection. Parce que chaque temps, dans la presse, chaque temps, il y a une conférence de presse. C'est pas l'élection à travers les unes que comme même si vous avez voté. Même si oui, Blaise. Si oui, il n'a fait campagne, oui. Qui a fait campagne, ça? Qui veut dire, qui a fait campagne, ça? T'as notre raison, mon cher. Si vous êtes un bon candidat, il mettait genou la tête, il s'est menté. Si vous êtes un bon candidat, vous venez premier ministre. Moi, je pose une question. Si vous êtes un bon candidat, vous venez premier ministre. Je pose une question. Ensemble, nèg sa yo, ak fòm sa yo, ke mon paquet militant a accompagné yo, al vila d'accueil ak yo, nan l'idée pour y aller déposer pièce. Gen pile tout qui est intelligent, qui pas quitter figure ou paraître, yo fait en ligne. Vous délégué un groupe pour aller déposer ça pour vous. Bon, vous comptez ça qui triste? C'est là où un groupe jeune décide d'aller dans la ville d'accueil ou pensez que c'est dossier un jeune petit garçon qui est dans le temps et il a le déposé pour vous tendre. C'est pour regarder d'où calé. Il a le déposé pièce. Mais qu'est-ce que vous avez connu? Mais le fait zin. Oh! Organisation qui désigne Gaï Koni, Zepet Théâtre, Dominique Sételoi, Sacré Démission, Monsieur Roger Gap. Moi-même, Baba offre aucun nec ici, là, la plateforme qui m'a là, qui s'est mis cette nouvelle ensemble de médias.
bien fait promotion sondage pour nèg mais depuis son attaque parler de on pas moi même non papa me fait promotion pour ken nèg capable candidat là m'ka au contraire m'ka relé acte me fait interview avec me questionner moi petit m'pensais que lion mais on est capable faire promotion là comme si ou pas venir jouer une blaise avec faire promotion pour ken nèg là mais on est qui décide de parler les sorti bagarre la déranger il parle en aller de mixer des lois. On bouye yo, paysan yo, moun kache populaire yo, en pil secteur dans le pays, yo pa pas accepter yon moun qui cache dans le pays étranger et pour yon vin imposer. Yon exil, mais quel est yon? C'est elle comme premier ministre. Gary Kony, tout le monde connaît que c'est employé l'ONU qui est lié, la plus grande job en Amérique latine. D'abord, nous-mêmes, en tant que. Dominique Sotelo a parlé parole là. Non, mais il est mon cher. Monsieur, la botte là. Monsieur, vous êtes bien de Tchaka, Blaise. Parce que, ouais, tout parle de pile ou à là, Blaise Peterson. Après Fritz Belizer, que petit Dessaline, qui a envie de fouiller dans la gorge, haïtien. Gary Kony, jusqu'à présent, il connaît le premier ministre, parce que c'est l'ONU qui est elle. C'est joué blanc. C'est on gère à la tortille sur l'autre version à côté de nous là. Continue, Doblesse. Mais écoute, belle, hein? C'est une loi comme syndicaliste dans le secteur ouvrier. Guillaume Bagan, le gémé, t'es avec les Cochauco, qui c'est collectif syndical pour respect constitution, 87 là. Mais c'est une loi, t'es en dedans. Il était en dedans, c'est une loi, t'es en dedans. Moi, il y a là, on pense à courir Gary Kony, on pense à Gary Kony. Et pas dans Gary Kony. Et bien, tu as beaucoup montré, yo. Et du club béni sur Nangaï Koni, alors que 2007 pas Nangaï Koni lui-même. On nous avance. Nous pas accepté, et d'abord, nous n'avons pas contacté nous, nous pas au courant. Et là, nous avons perdu ça. Il y a un pile de monde qui là, qui est sous table là, c'est même pour la tête au chapeau qui vous voyez. D'abord, nous n'avons pas connu ça. Et d'abord, pas de pièces, pas de pièces, moun qui yon mette cette loi au bout, pas mette Jimmy au bout, pas mette Nobel au bout, yon pas mette l'autre monde qui vient avec un paysan, dans le secteur santé, qui nan Cochaco, qui fondait Cochaco. D'abord, c'est en demandé que M. Damio y a couru dans un volcan, dans un appareil qui charge avec asset finance. Nous même n'a dit, nous pas connaît M. Sacré Légal Gounian. Ni tout n'a pas de téléphone, ni nous pas parler avec lui. Vous pas gagner si vous avez pensé. Nous pas attendre. Nous pas attendre. Vous avez contact direct. Comment la touyo, quel temps de choisir là, nous pas, yo pas même relé, nous dit nous rien. Ça ne pas, ça que en plus, nous ne pas de me dire, moi dit là sur table. Concernant des profils, moun yo, oui. Comment comprendre nous, moun caché dans pays étranger et population. On va finir ici. La Tibia, madame ni petit li. Il y a un autre qui passe dans le pays étranger, et puis qu'on y avait même un petit job, premier ministre ou un job ministre. Chaque monde sa yo, moi connais un pile monde dans le ministre qui passe, ni dans le ministre de missionnaire sa yo, là tout. C'est chaque lundi matin, yon parti chaque jeudi après-midi, dans le vol 10h, yon entre à 10h, dans le vol 10h, dans le lundi matin, ou bien dans le mardi. Pas gen avion à voler. Pays a de ça qu'on a victime de pile volé sa yo. Corrupte sa yo, moun sa yo, ta pantre douet siperye yo, nan fond public la. Jouni Jodjanon, nou pa ka accepte pou nèk de madame ni en France, petit ni en France, madame ni petit ni aux États-Unis, ou bien madame ni petit ni caché dans un pays, et tapou en Amérique latine, ou bien dans l'autre pays, et puis Jodjanon, moun sa yo, Jodjanon, accepte, que nous parlons d'accord pour une premier ministre, pour une ministre affaires sociales, pour une ministre justice, pour une ministre intérieure, pour une ministre finance. Là, un pays authentique, pays à charge de service de cadre, qui a un haut niveau, nous qui restons sur là dans le pays, c'est nous nous réclamer qui pour diriger ce pays, d'abord nous pas accepter avec une série de monde qui cachent dans le pays étranger, pour nous avoir une balle peuple d'assaut, et ça fait nous prenons un petit André Michel, nous prenons un petit Marie Michel, nous prenons un petit Rita Pierre, qui finit voler tout pareil dans le pays, avec une série de pays étranger. Nous pas accepter ça. Bon, désir. Et malgré qu'il était collé pour tout, parce que c'est collé car pour même j'avais 2007 loi. Mais vous faites attention, 2007 loi, où t'es? Quittez attention, montez là. Merci à vous, les gens, la croisée, la mitaine, journée pour émission, parler pour changement. Et la continuer à parler pour un pays, causer pays, pour être capable d'aider ça, mieux comprendre, plus ça capable de s'en aller. Merci à vous, les gens, c'est ton plaisir, mon frère.